Et bien salut, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, exposé. Déjà on va commencer par présentation. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en ces temps sur YouTube, il y a un certain T-Big qui fait pas mal de vues. Je clique dessus et là je vois une fille me drague et me parle sur Fortnite, bah il est dans le genre. Et du coup je me dis, mais attends, mais c'est bizarre quand même. Enfin ça m'a l'air louche, quelqu'un qui se croit sur Tinder, tu vois. Alors du coup il a fait un premier épisode, il a vu 700 000 vues, il s'est dit on va en faire d'autres. Et du coup, et en fait, il a été, il s'est dit, ouais, du coup, comme ça buzz, je vais en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, il a voulu faire trop vite, il s'est grillé tout seul. C'est fou, parce que, regardez, sur sa dernière vidéo, là, oui, l'épisode 3, si vous êtes attentif à 6006, à un moment, on peut voir que T-Big se met à crier dans son micro. Et que juste après, genre, on entend un écho. On entend un écho qui vient du micro de Kimberly, qui est censée être la fille avec qui il parle. Du coup, en fait, c'est-à-dire que déjà, ils étaient dans un même endroit. Non ! Non ! Et du coup, j'ai aussi un peu regardé les commentaires, voir si des gens avaient trouvé des théories comme ça. Or, j'en ai beaucoup qui ont vu les mêmes trucs que moi. Il veut faire des vues. Il fait pas que du fake. Il fait aussi du putaclic. Les titres sont 100% putaclic. Une miniature avec une fille marquée Chou, avec un battle royale avec lui. On voit sa tête sur la miniature avec marqué moins de 18. Top 1. Les gars, non. C'est trop. Ça, c'est vraiment. Mais ça, c'est vraiment du putaclic. Mais au niveau 1000. Le gars, il est arrivé, il a tapé sur Google. Putaclic. C'est parce qu'il est devant lui, il les a calés dans une miniature. Oui, aussi, il y a les flèches rouges et tout ça, bien sûr. Hein. Il y a tout le total. Et donc, voilà. Donc, cette vidéo n'était pas très très longue. Si vous aussi, vous avez regardé toutes les vidéos en entière et que vous avez vu d'autres trucs louches, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire à quel moment c'était, par exemple, je dis un truc au hasard à 7022 et qu'est-ce qu'il y a et ça. Et du coup moi aussi j'irai voir, voilà. Et donc si vous allez sur sa vidéo, déjà vous lui rapportez une vue, donc lui ça lui fera, il sera content, mais dislikez la vidéo, ou alors likez, ou alors soit vous dislikez soit vous likez même pas, enfin ça lui donne la visibilité, et du coup c'est pas du tout ce genre de contenu qu'on aimerait trouver sur YouTube en temps normal. Du coup voilà. Donc c'était juste un petit exposé sur un youtubeur pas très honnête, on va dire ça comme ça. Voilà, donc si vous voulez d'autres exposés un peu du genre, bah dites-moi dans les commentaires que vous croyez fake ou que vous trouvez un peu louche, et j'irai analyser un peu ces vidéos, et puis je ressortirai un épisode si ça vous plaît. Je pense que j'en referai un ou trois. Aux 4 likes, on va dire, voilà. 4 likes sous cette vidéo et je refais un exposé sur un youtubeur. Du coup, c'était Ansifalls et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.